À tous les supporters de l'OM pour affronter Metz. L'OM sera privé de Hiroki Sakai, Florian Thauvin. En revanche, Pape Gay fait son retour. Tandis que Metz sera privé de son attaquant Ibrahima Diagne. Mais peut compter sur son capitaine et défenseur, Jeune Boy, tandis que le meneur Farid Boulaya a été réintégré. On apprend que Thiago Almada, son départ de Vélez, serait peut-être retardé. Il aurait dit oui pour un contrat de 5 ans à l'OM. Il souhaite. Vas-y. Mais il souhaiterait être en Argentine pour disputer la phase finale de la Copa Libertadores avec son équipe. Il pourrait débarquer cet hiver. Reste à savoir si l'OM sera prêt à patienter. Quant à au milieu de terrain, qui évolue à Flamengo, Ganso, un entraîneur s'est positionné et a déclaré en tant que membre de Flamengo, je veux qu'il reste, c'est un joueur au-dessus de la moyenne qui nous aide beaucoup, mais je veux le voir heureux, il est déjà confirmé et avec les objectifs qu'il a, je pense qu'il sera, que ce sera ici et que l'on pourra devenir champion qui m'aidera encore plus au milieu de terrain. Espérons que ce résultat le rendra heureux et satisfait. Rappelons que l'OM propose 25 millions plus 5 de bonus alors que Flamengo réclamerait 35 millions d'euros. Quant à Payet, qui est sous contrat jusqu'en 2024, il a déclaré son amour pour l'OM. Et a déclaré, c'est mon club, c'est ma vie, c'est mon stade. Quand j'aurai fini, j'espère qu'on jouera qu'on gardera une trace et un bon souvenir de moi, même si tout n'a pas été rose de temps en temps avec les supporters. Mais quand on est heureux, c'est comme ça. Il a évoqué aussi sa relation avec Sampaoli. Il a déclaré, on a discuté, on a parlé. Et il a clairement dit ce qu'il attendait de moi. Et j'essaie de faire en sorte, bien évidemment, de rendre cette confiance qu'il m'a donnée dès qu'il arrive. Arrivé quant à Alvaro González, il a même vécu l'épisode de Neymar. Il a déclaré pour moi personnellement, ça a été très dur, des choses sont arrivées qui dépassent le sportif et si la situation a été difficile pour tous les joueurs ici, elle a été un peu plus pour moi, on a gagné au parc et au lieu de parler de cette victoire, on a parlé des choses négatives. Mais j'ai aucun problème avec les critiques, nous sommes connus, donc on parle tous les jours de nous en bien pour
Un jour en bien, un jour en mal, c'est la vie des joueurs de foot, des chanteurs, des gens célèbres, mais là ce n'était plus le foot et ma famille a vécu des moments difficiles. C'était des attaques personnelles, mon numéro est sorti. Celui de ma famille, quand tu parles de racisme, d'homophobie, ce sont des choses graves. Suivez-moi sur ma chaîne YouTube.